C'est Godenzi qui entame au service cette première demi-finale. Concernant les clés de cette rencontre, on a là deux grands spécialistes de la terre battue. Avec Andrea Godenzi qui a tendance en revanche à venir tout de même de plus en plus souvent au filet pour essayer de conclure les points, alors que Francisco Clavette est lui plus un adepte des filières longues. Il viendra nettement moins souvent au filet, Francisco Clavette. Semble-t-il. Pas pour Francisco Clavette qui va demander à monsieur Roland Herfel de venir vérifier la marque. It's long, semble avoir dit Roland Herfel. Pas persuadé que Denzi la fera 15 ans. Incursion au filet pour Francisco Clavette, mal négocié. Une balle qu'il est venu prendre trop bas, pas assez tôt. Premier enchaînement pour Andrea Godenzi qui a laissé passer cette balle. Il a dû tout de même se faire quelques frayeurs car elle est retombée juste après la ligne. La tête de cette première manche. Menant 1-0 face à Francisco Clavette. Qui tripote même le micro d'ambiance. Il fait très chaud aujourd'hui. Le soleil brille depuis
ce matin. Ce ne sont pas exactement les mêmes conditions qu'hier où il y avait tout de même pas mal de nuages sur Kitzbühel. Il fait très chaud, la résistance sera l'un des facteurs de cette rencontre avec deux joueurs qui sont pris en découdre très longtemps pendant ce match. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous préciser que si aux alentours de 16h cette rencontre n'était pas finie, nous irions faire tout de même un petit tour du côté du Tour de France pour voir le départ des meilleurs du contre-la-montre, pour revenir ensuite sur Kitzbühel jusqu'à la fin du match, pour enfin repartir sur les routes du Tour en Bourgogne. C'est le défaut que l'on pouvait faire hier, Andrea Godenzi. Il manque parfois un peu de régularité lors des longs échanges de fond de cours. Il a tendance à forcer un peu trop sur son revers ou même sur son coup droit. Peut-être des petites imprécisions en fin d'échange sur le petit jeu de jambes. J'ai deux fois la ligne, Francisco Clavette. 40-15, 40-50. Oh. C'est bien maîtrisé, ce petit slice de revers pour venir surprendre Andrea Godenzi. Il avait enchaîné une montée derrière son retour, Andrea Godenzi. Ce qui n'est pas suffisant pour tromper Francisco Clavette. Petit slice et un partout. Ça
servi directement sur Francisco Clavette qui n'a pas eu le temps de s'organiser. 3 balles de 2 jeux à 1 pour Gaudenzi. Un enchaînement parfait pour le premier jeu blanc dans cette rencontre. Il est en faveur de l'Italien qui avait eu beaucoup plus de difficultés hier à remporter ses services. Mais qui reste en tête dans cette première manche et mène 2 jeux à 1 face à Clavette. Au service. Capacité d'accélération chez Francisco Clavette, capable de jouer un peu plus à plat parfois qu'André Gaudenzi pour accélérer la balle. Semble-t-il André Gaudenzi. C'est pour cela qu'il n'a pas pu parfaitement maîtriser cette volée, sinon la mortier était assez bien jouée. Peut-être aurait-il dû la faire encore un peu plus courte puisqu'il a laissé tout de même un peu de temps à Francisco Clavette qui a pu jouer judicieusement celle-ci. Alors je pense que même s'il n'avait pas glissé, il n'aurait pas pu la voir. Gaudenzi qui s'est peut-être un peu bloqué le pied. Il n'a pas pu faire sa fente complètement. Impressionnant au revers. Francisco Clavette, des accélérations qu'il a jusqu'à présent joué aussi bien croisé que long de ligne. Et 2 balles d'égalisation à 2 partout. Fait. Et pour le moment, des jeux de service remportés sans problème de part et d'autre.
bien installé derrière sa première balle pour le moment, Drago Denvi. Encore une fois, beaucoup plus impressionnant sur son service qu'il ne l'était hier face à Nicolas Lapenti. Confirme la marque Andrea Gaudenzi et cela fait 3 jeux à 2. Bonne qualité de première, des deux côtés d'ailleurs, ce qui explique pour le moment des jeux de service sans aucun souci. Francisco Clavette au service, mené 3 jeux à 2 face à Andrea Gaudenzi. Pas la moindre balle de break pour le moment de part et d'autre. Et Andrea Gaudenzi qui joue mieux, je trouve, qu'hier face à Nicolas Lapenti, mais qui vient également un peu moins souvent au filet, peut-être plus confiant dans ses coups de fond de cours aujourd'hui qu'il ne l'était hier. C'est la première fois qu'un des deux hommes est mené ainsi sur son service. Qui profite à Francisco Clavette. Son temps, il n'en aura même pas besoin. Quelle puissance, avec cette fois-ci des revers joués un peu plus à plat chez Andrea Gaudenzi, avec une balle prise montante, jouant en avançant à l'intérieur du court. Deux premières balles de break et elles sont en faveur d'Andrea Gaudenzi. Pour conclure le point, premier break magistral de la part d'Andrea Gaudenzi qui mène 4 jeux à 2 maintenant dans cette première manche. Et je le trouve beaucoup plus convaincant aujourd'hui Andrea Gaudenzi qu'hier face à Nicolas Lapenti. Certes, il s'était imposé en deux manches face à l'équatorien, mais il n'arrivait pas à faire ainsi la différence au fond de cours. Il le devait beaucoup plus à ses montées au filet et il l'a dû également à une mauvaise gestion des points importants de la part de l'équatorien, alors que là au contraire, sur la balle de break, il est venu attaquer comme il le fallait. Un break qu'il va falloir confirmer. Oh!
Racing. Il faut absolument qu'il monte dans de meilleures conditions, Andrea Gaudenzi. Hier, Nicolas Lapenti ne parvenait pas à passer dans ce type de conditions, Andrea Gaudenzi. Regardez, il a le temps de se replacer. Avec ce petit revers, il fait ce qu'il veut. Francisco Clavette, et c'est au tour de Gaudenzi d'être en difficulté sur sa mise en jeu. Sur le premier service pour Gaudenzi, 3 sur le deuxième, 4 et 5 pour Clavette. Oui, bien claqué cette volée. T'es mené 0-30, Andrea Gaudenzi, le voici à nouveau à 30-1. Quel dommage, il avait fait le plus gros du travail encore une fois. Andrea Gaudenzi, il est rentré dans une période de pilonnage du jeu de Francisco Clavette. Ah, peut-être a-t-il été un tout petit peu trop gourmand. Enchaînement pour venir conclure ce jeu avec une belle détente de la part d'Andrea Gaudenzi. C'est avec autorité qu'il remporte ce service pour confirmer le break et mener 5 jeux à 2 premières manches. Les Clavettes, eux, sont en train d'en découdre pour savoir lequel de ces deux hommes ira en finale à Kitzbühel. Avec un avantage pour le moment pour Andrea Gaudenzi puisque celui-ci mène 5 jeux à 2, première manche, service à suivre pour Francisco Clavette. Rencontre qui a débuté depuis un tout petit peu plus d'une demi-heure.
Il avait pourtant fait le plus dur avec une deuxième qui était venue perturber André Gaudenzi. Un peu de précipitation chez Francisco Clavette. Un petit peu moins de lucidité. Il va bien avoir besoin du public là pour ne pas céder son service une deuxième fois et le premier set par la même occasion. Effectivement, une balle qui se confirme, elle est confirmée dehors par monsieur Roland Herfel. Première double faute de cette rencontre. Si c'est celle-ci, il n'y a pas le moindre doute. Et c'est une balle de 7 en faveur de Gaudenzi. Et elle sort. Nouveau break et première manche en faveur de l'Italien qui a remporté les 4 derniers jeux et qui boucle cette première manche en 1h en 34 minutes pardon. Première manche pleine d'autorité avec petit à petit au fil des jeux Gaudenzi qui est venu imposer sa puissance et il va probablement essayer de monter un petit peu plus encore dans une deuxième manche et libéré par le gain de ce premier set. L'entreprise de démolition d'Andrea Gaudenzi est en marche.
Il ne parvient plus à le mettre hors de position, Francisco Clamette, comme il le faisait au début du premier set, avec parfois des coups joués peut-être un peu plus à plat qui venaient déséquilibrer André Agudenzi. C'est une balle de premier jeu dans ce deuxième set en faveur de l'Italien. Quel angle trouvé encore une fois par André Agudenzi, décroisé en coup droit. 5e jeu d'affilée pour l'Italien qui mène maintenant 6-2, 1-0. Ça commence à devenir sacrément compliqué pour Clavette. Solution pour Clavette de jouer sur André Agudenzi. Avec une demi-volée pas très bien négociée par l'Italien. Jeu blanc pour Clavette, c'est son premier. Agudenzi, lui, avait reçu un jeu de service blanc tout à l'heure lors du troisième jeu de la première manche. Il est important qu'il mette fin à l'hémorragie. Francisco Clavette, c'est fait. Mais c'est toujours l'Italien qui est en position de force, menant une manche à rien. Et qui plus est, qui a l'occasion de faire la course en tête dans ce deuxième set. André Agudenzi, il est en train de commettre des fautes, peut-être un petit peu de déconcentration, peut-être également un petit peu de fatigue.
besoin de souffler pour Gaudenzi qui avait nettement mis l'accélérateur lors de la deuxième moitié du premier set et qui se retrouve mené 0-30. De break en faveur de Francisco Clavette. Remerciement de la part de Gaudenzi à Clavette qui a rendu le point. C'était pas le point d'ailleurs, c'était la balle. Ça ne change pas grand chose puisqu'il remporte tout de même le jeu, Francisco Clavette. Un jeu qu'il remporte blanc également. Les 8 derniers points pour l'Espagnol qui mène maintenant 2-1. Service à suivre au deuxième manche. Qu'arrivera-t-il le 1er janvier 1999 ? Dernier acte de la Coupe du Monde, la grande finale du Stade de France. Les larmes d'une victoire, mais aussi celle de la défaite. Le rêve qui devient réalité, 22 acteurs champions du monde pour l'histoire. Le 1er janvier 1999, l'euro sera une monnaie à part entière. Andrea Gaudenzi qui a peut-être perdu un tout petit peu le fil du jeu lors de ce deuxième set. Faisant deux fautes directes pour laisser Clavette mener 30-0 sur son service. Et puis après une volée haute de revers facile mise dans le couloir, concédant finalement son service blanc. Les 8 derniers points ont été réussis par Francisco Clavette, qui a un avantage à gérer maintenant dans cette deuxième manche pour espérer revenir à une manche partout face à l'Italien. Semble-t-il. Andrea Gaudenzi a essayé de débreaker dans la foulée, tout comme il l'avait fait hier lors du deuxième set face à Nicolas Lapenti. Allez,
C'est à son tour d'obtenir 3 balles de break. Très heureux avec le filet depuis le début du match. Andrea Guedenzi, elle a choisi le plus souvent le côté de Clavette, en tout cas de donner le point à Clavette. Ryan Gabe lui confirme que c'est dans cette voie qu'il doit travailler, qu'il doit continuer à jouer. Dans la marque de la raquette, encore une fois, cet amorti ne l'a pas assez accompagné. 2 balles de break sauvées par Clavette. Et ça sort. 3 balles de break sauvées par Clavette. Le même revers, deux fois dans le couloir. C'est une balle de 3 jeux à 1 maintenant en faveur de l'Espagnol. Ah, il trouve ça nettement moins bien. Ronnie Ladgabe. C'est Clavette qui est venu conclure le point au filet, en tout cas essayer de conclure le point. Ratant complètement son smash. Il avait pourtant peut-être bien le temps de laisser rebondir cette balle, Francisco Clavette. Elle était difficile car elle a été montée très très haut. Thank you.
Véritable gifle donné à cette balle. Et des risques qu'il devrait prendre peut-être un peu plus, Andrea Gaudenzi, car il n'en a pas pris beaucoup à partir du moment où il a obtenu les 3 balles de break. C'est un jeu difficile pour les deux hommes, mais s'il parvenait à débreaker, Andrea Gaudenzi pourrait très certainement psychologiquement enfoncer un petit peu Francisco Clavette. Il aura donné beaucoup trop de points dans ce jeu de cette manière. Andrea Gaudenzi, c'est le troisième revers qu'il manque. Jouer en deux mains décroisées. Jouer deux mains décroisées, pardon. Deux dans le couloir et un trop long. C'est une nouvelle balle de 3 jeux 1 pour Clavette. Par Andrea Gaudenzi et Clavette après avoir sauvé 3 balles de break confirme justement le break réussi précédemment et mène 3-1 et cela lui rend le sourire dans cette deuxième manche. Il a vu la ligne s'éclaircir. Andrea Gaudenzi ne sait pas si c'est à l'impact de la balle. Il a été, oui, confirmé dehors. Dehors, ça ne s'est pas joué à grand chose pourtant, et c'était bien vu de la part de Francisco Clavette qui avait là réussi à planter complètement Andrea Gaudenzi. Mais cette accélération qui sort pour quelques centimètres, et ça doit tout de même soulager l'Italien. Cette rencontre, il est en faveur d'Andrea Gaudenzi qui remporte sa mise en jeu, ce qui ne change pas grand chose puisqu'il a toujours ce break de retard. Mené 3 de se réhydrater
car il va avoir du travail, l'Italien, s'il veut revenir dans cette deuxième manche où il a concédé son service. Néanmoins, c'est faisable, bien sûr, puisqu'il a dans la foulée obtenu 3 balles de break face, 3 balles de débreak face à Clavette, qu'il n'a pas su concrétiser. Peut-être en aura-t-il l'opportunité sur ce jeu de service, puisque c'est l'Espagnol qui va servir, menant 3-2 deuxième manche, mais après avoir perdu le premier 7-6-2. De réajuster sa casquette pour ne pas être gêné, Andrea Godenzi, mais il donne beaucoup de points depuis le début de cette deuxième manche. Gêné par le manche humide, semble-t-il, qui a glissé dans sa main. C'est sans souci qu'il remporte sa mise en jeu, l'Espagnol, pour mener 4-2 maintenant dans ce deuxième set. Complètement hors de position, dépassé en ce moment, Andrea Godenzi. Un peu lent dans sa montée vers le filet. Andrea Godenzi.
S'il perd ce service, Gaudenzi fera bien évidemment une croix sur le deuxième set. Mais pourrait également se retrouver au service à l'entame de la troisième et dernière manche. Si Clavette concluait derrière avec sa mise en jeu. Gêne considérablement Gaudenzi, il réussit ce que réussissait justement l'Italien lors du premier set. Il est en train de suivre le même scénario d'ailleurs que cette première manche. 5-2, Francisco Clavette qui va servir pour égaliser à une manche partout dans une minute. À partir de quand les transferts bancaires, les paiements par carte et par chèque pourront-ils se faire en euros? Eurosport et la Commission européenne vous invitent à jouer et peut-être gagner un week-end pour deux à Bruxelles. Un ace, une seule double faute, il y a eu un ace enregistré tout à l'heure par Andrea Gaudenzi qui ne figure pas ici. Il est monté tout de même 11 fois au filet en quasiment 2-7, Andrea Gaudenzi, soit beaucoup moins qu'hier face à Nicolas Lapenti avec un bon pourcentage de réussite avec 9 points gagnés sur 11 montées. Et des statistiques dans laquelle on ne va pas trop suivre puisqu'il me semble qu'il a été placé plus que cela au filet, Andrea Gaudenzi. C'est sûr que Clavette a reçu plus de deux passings. Il est monté très haut, Andrea Gaudenzi, avec une balle qui précédemment avait fusé sur la ligne. Rebond qui était venu perturber Francisco Clavette dans sa tentative de lob. Les jambes. La deuxième manche conclue par Francisco Clavette, 6 jeux à 2. Le premier set avait duré 34 minutes. Le deuxième aura été beaucoup plus court. Beaucoup plus court, pas énormément plus court, mais il aura duré 33 minutes. Et nos amis autrichiens s'égarent un petit peu. Et c'est Andrea Gaudenzi qui va donc entamer au service cette troisième et dernière manche. Ça commence pas très bien
puisque c'est sa première double faute. Deuxième ace. 30-15. Trop de précipitation. 40-15. Et l'occasion pour André Godenzi de remporter le premier jeu de cette dernière manche et donc de s'installer en tête. Il est enfin assis à 3 jeux perdus consécutivement. Voilà qui est fait. C'était important pour André Godenzi non seulement de remporter à nouveau son service, mais surtout de remporter le premier jeu de ce troisième set, puisqu'il est toujours plus usant pour les joueurs de faire la course derrière l'adversaire que de faire la course en tête. Lorsqu'on fait la course en tête et que l'on perd son service, on n'est pas immédiatement dépassé par son adversaire. Il faut que celui-ci gagne son service dans la foulée. Alors que lorsque l'on fait la course derrière et qu'on perd son service, il y a tout de suite un écart qui se creuse. Psychologiquement, il faut être beaucoup plus fort pour revenir. Quasiment aucun nuage sur ce central de Kitzbühel qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes. Le Casino Tennis Stadion de Kitzbühel. Eurosport se rend également l'hiver, bien évidemment, sur la Strife qui n'est pas très loin. Compagnie d'Alexandre Pasteur et de Franck Picard notamment. Il y avait également l'hiver dernier les filles qui étaient présentes à Kitzbühel. Et vous retrouverez tout ce beau monde, bien évidemment, l'hiver prochain. Et pour le moment, il n'y a pas de neige, il y a du soleil. Et on profite de cette terre battue européenne. Puisque le circuit européen sur terre battue est bientôt terminé. On joue cette semaine donc encore à Kitzbühel et à Umag en Croatie. On jouera la semaine prochaine pendant le tournoi de Toronto à Amsterdam. Il y aura 100 marins à partir du 10 août et ensuite ce sera terminé. Avant bien évidemment l'US Open, il restera encore un tournoi européen sur terre battue. Quelques tournois sur terre battue, notamment Bournemouth et Bucarest, mi-septembre. Majorque et Palerme, début octobre. Mais l'attention sera déjà dirigée vers le tournoi indoor. On a profité de la minute de repos entre ces deux hommes pour bien entamer ce troisième et dernier set. Godenzi mène, je vous le rappelle, déjà 1-0. Oh.
Encore une faute en revers. C'est ce que se reproche Andrea Gaudenzi. Qui sort. Ça sort une nouvelle fois suite à une faute en revers d'Andrea Gaudenzi, même si cette fois-ci il avait été pas mal trimballé par Francisco Clavette. Un jeu blanc néanmoins pour l'Espagnol, son deuxième au service, son troisième depuis le début du match, qui revient un partout. Elle sort et il n'est pas malheureux, Andrea Gaudenzi, car il ne l'avait pas joué celle-ci alors qu'elle était à sa portée. Il n'avait pas conclu sur ce match suffisamment tôt. Et Roland Herfel a l'air moins catégorique que Gaudenzi, même s'il confirme cette balle un peu longue. Francisco Clavette demande à monsieur Roland Herfel s'il est sûr. Il l'est effectivement. C'est la deuxième double faute pour Gaudenzi. Il n'a pas changé de raquette, mais qui a repris un peu de sciure. Pour la transpiration. Attention Andrea Gaudenzi, car c'est semble-t-il Francisco Clavette qui est le mieux en jambe, le plus en jambe dans cette dernière manche, en tout cas en ce début de dernière manche. Pleine discussion.
discussion avec le superviseur de l'ATP Tour, Andrea Godenzi, puisque semble-t-il lui a été reproché de trop communiquer avec Ronnie Lightgabe. Une balle de 2-1 pour l'Italien. Voilà qui est fait. Il était important qu'il remporte son service tout de même, Andrea Godenzi. Un peu bousculé là sur ce jeu par Francisco Clavette, mais qui reste en tête dans cette dernière manche. Menant 2-1, il va pouvoir s'expliquer avec Roland Herfol. Cette année, le meeting Idezaev de Sheffield revêt une importance toute particulière. Dans 3 semaines, Budapest accueille les championnats d'Europe. Et pour le gratin de l'athlétisme mondial, ce rendez-vous anglais fait office de baromètre. Le Grand Prix 1 Idezaev de Sheffield, dimanche 19h30 heure française, en direct sur Eurosport. Avec Isostar, the fast-acting isotonic sports drink. Ivanisevic, Costa, Berasategui, De Wulf. C'est le palmarès du tournoi de Kitzbühel depuis 1994. Dimanche, 2 hommes s'affrontent pour le titre, un seul atteindra les sommets. La finale de l'Open Generali, dimanche minuit heure française, sur Eurosport. Avec Generali, assureur sans frontières. De retour sur le central de Kitzbühel, où pour le moment Andrea Godenzi fait la course en tête dans cette troisième et dernière manche, menant 2-1 face à Francisco Clavette. Toujours ce temps magnifique. Conditions de jeu idéales, même s'il fait peut-être un peu trop chaud puisqu'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Les deux hommes ont débuté cette rencontre depuis bientôt 1h30. Et c'est Clavette qui est au service dans cette dernière manche. Quasiment sa plus mauvaise volée depuis le début du match, Andrea Godenzi. C'était pourtant la bonne solution, il avait réussi à venir au filet dans de bonnes conditions. Cette fois-ci, pour la première fois, je crois, le filet est venu aider Andrea Godenzi puisque c'est lui qui a fait le point. C'est l'une des premières fois, je crois, où il touche le filet, si ce n'est la première. Il touche le filet pour faire le point derrière. Avec un revers pas suffisamment long de la part de Francisco Clavette. Thank you.
Non, elle n'était pas forcément très bien vue cette amortie de Andrea Gonesi. En tout cas, elle ne fut pas suffisamment bien réalisée sur un point qui était pourtant important puisqu'il aurait pu lui permettre d'obtenir balle de break derrière. Allez, voici ces points importants qui peuvent décider de cette troisième manche et donc du match. 5 amortis pour Gaudenzi. Le point réussi une seule fois dans la foulée. Une seule tentée par Clavette. Sans succès lui non plus. De partout. Nouvelle raquette pour Clavette. Dans les fesses de Clavette. Pas donner des points tels que celui-ci de la part de Francisco Clavette. Maintenant, tous les points sont importants dans cette troisième manche. Il dit qu'il va probablement attendre que le train passe également. Cet angle court des croisés depuis longtemps chez Andrea Gaudenzi. S'est livré sans retenue dans cet échange et c'est finalement Francisco Clavette qui craque, donnant du même coup le jeu à Andrea Gaudenzi qui reste en tête menant 3-2 maintenant face à l'Espagnol. Et encore une fois, tous les points sont importants, il ne faudra rien lâcher maintenant. Un ou deux points réussis sur le service adverse peuvent derrière vous mettre en position de faire le break et du même coup de prendre un avantage quasi définitif. Notre perceveur Roland Herfel qui fait un petit signe à tous ses juges de ligne
en indiquant s'ils font du bon travail. S'ils ont tendance à se déconcentrer, manifestement, ça se passe plutôt bien. Sur André Agassi sur ce point, l'un des plus longs depuis le début du match en faveur de l'Italien. Elle est bonne avec une balle qui est retombée juste avant la ligne. On pensait qu'elle allait sortir et Francisco Clavette le premier. La deuxième double faute pour Francisco Clavette. En danger sur ce jeu de service. Laissez passer cette occasion, Andrea Gaudenzi. Une dernière accélération en revers qui cette fois-ci est restée dans le court. Et deux balles de break pour l'Italien. C'est cette accélération jouée long de ligne qui vient déséquilibrer Clavette. Toute la hargne de l'Italien dans ce smash. Deux break en faveur de Gaudenzi. Sauvé. La défense de Gaudenzi qui est venu véritablement chercher cette balle de break. Ah, c'est tout à l'honneur d'Andrea Gaudenzi d'avoir su convertir cette opportunité. Il ne le montre pas mais il est satisfait, Ronnie Lightgeb, car son champion mène maintenant 4 jeux à 2. Service à suivre, il vient de prendre un avantage peut-être bien définitif, décisif dans cette demi-finale. 4-2, dernière manche, service à suivre. Il va falloir confirmer tout de suite.
Et attention au sursaut d'orgueil de Francisco Clavette. Elle est sur la ligne. Il a besoin d'oxygène à Francisco Clavette car il ne peut plus faire grand-chose. Rien et c'est Francisco Clavette qui craque néanmoins. Alors qu'il avait semble-t-il définitivement déséquilibré Andrea Gaudenzi. C'était le dernier coup droit, celui qui aurait dû conclure le point. Deux balles de 5 jeux à 2 pour Andrea Gaudenzi. Encore une fois, Francisco Clavette, 2 à 3 mètres derrière sa ligne. Et c'est Andrea Gaudenzi qui mène 5 jeux à 2. On va aller faire un petit tour sur la route du tour pour voir le départ des meilleurs dans ce contre-la-montre. Patrick Chassé notamment pour suivre le déroulement de ce contre-la-montre avant-dernière étape de ce Tour de France. Et là, il s'agit peut-être du dernier jeu de cette demi-finale puisque Francisco Clavette est mené 5 jeux à 2 dans cette dernière manche face à Andrea Gaudenzi. Il est au service pour obtenir un sursis supplémentaire. Il n'a pas attendu le rebond. Andrea Gaudenzi a décidé à en terminer dès ce jeu. De match en faveur d'Andrea Gaudenzi, il ne semble plus y être. Francisco Clavette,
Et c'est fini. Victoire d'Andrea Gaudenzi. 6-2, 2-6, 6-2 face à Francisco Clavette. Il conclut sur un jeu blanc, l'Italien, qui se sera montré plus costaud physiquement que Francisco Clavette dans cette troisième et dernière manche. Un match qui aura duré tout de même 1 heure et 45 minutes. Et Andrea Gaudenzi, premier qualifié pour la finale ici à Kitzbühel. Ce sera sa deuxième finale de l'année. Il aura déjà remporté le tournoi de Casablanca. Et ce sera sa première finale ici à Kitzbühel. Il retrouvera soit Squillari, soit Albert Costa. Et ce sera demain à partir de minuit sur Eurosport. Dans quelques instants, le Tour de France, la 20e étape, le contre-la-montre individuel de Montsolémine.